Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le test d'un nouveau périphérique. Il va s'agir du ThinkPad Helix, donc qui est tout simplement la toute nouvelle génération du 2-en-1 de chez Lenovo. Alors vous savez que Lenovo inonde le marché des ordinateurs portables et de bureaux de façon assez monstrueuse. Et là donc on a une nouvelle génération d'un 2-en-1. C'est vraiment un ordinateur, comme vous allez le voir, très complet. Il va pouvoir vous dépanner, que ce soit dans le monde professionnel, mais également à la maison, puisque ce 2-en-1, eh bien, comme son nom l'indique, il va pouvoir faire office d'ordinateur portable, mais également de tablette. Donc vous allez pouvoir, comme ça, utiliser ce périphérique en fonction de vos besoins et surtout en fonction de l'utilité du moment. Donc ce 2-en-1, eh bien, il a été annoncé en mars dernier. C'est la deuxième génération de ce ThinkPad Helix. Alors on n'a pas ThinkPad Helix 2 commercialisé, mais en tout cas Lenovo le considère comme un périphérique de seconde génération. Comme souvent dans la commercialisation d'ordinateurs portables, vous allez retrouver une gamme différente d'ordinateurs. Là on a trois PC différents, donc trois modèles différents. On a le modèle d'entrée de gamme qui est à 1029€, qui lui va comporter, comme son prix peut le laisser penser, des spécifications moindres que le périphérique à 1119€. Et enfin on a un modèle haut de gamme à 1599€ qui lui va comporter notamment un clavier un peu plus haut de gamme et surtout il va offrir des fonctionnalités supplémentaires, comme vous allez le voir dans la suite de cet article, puisque le périphérique que j'ai ici sous la main, c'est le modèle haut de gamme. Donc ça m'a permis de tester ce tout nouveau périphérique de chez Lenovo. Donc avant de vous faire part de l'utilisation de celui-ci et des fonctionnalités qu'il regorge, on va faire comme d'habitude un petit tour du propriétaire. Alors là, d'habitude sur les smartphones, je déballe le carton et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Là, le carton n'a peu d'intérêt, vous allez retrouver une documentation traditionnelle au sein de celui-ci. Néanmoins, vous allez avoir deux accessoires importants. Le premier qui est ici, qui est un cordon USB comme vous pouvez le voir ici, et de l'autre côté on a un port Ethernet. Donc ça va être très pratique puisque comme vous allez le voir, ce périphérique ne dispose pas de port Ethernet. Donc pour tous les professionnels qui veulent se raccorder au réseau, il va falloir passer par ce petit accessoire supplémentaire, ce petit transformateur USB Ethernet de l'autre. Alors si vous avez des portables ultra légers et ultra fins, vous commencez à en avoir l'habitude. Sachez en tout cas qu'ici, vous aurez directement cet accessoire dans le carton. Et enfin, on va avoir une autre petite accessoire qui va être un stylet. Un stylet très pratique puisque celui-ci va pouvoir être utilisé notamment lorsque vous utilisez le périphérique en mode tablette. Donc vous allez comme ça pouvoir bénéficier d'un stylet très précis avec une pointe assez précise. Lorsque vous allez par exemple prendre des notes ou dessiner directement sur le périphérique, donc avec cet accessoire supplémentaire. Ensuite, on va retrouver évidemment, comme tous les 2-en-1, donc je le débranche, comme tous les 2-en-1, on va retrouver quelque chose qui va pouvoir se déclipser et qui va pouvoir en fait transformer l'écran en mode tablette. Alors ici, je vous expliquerai le système tout à l'heure, mais vous voyez ici, je peux utiliser mon périphérique en mode tablette, et ici, je me retrouve donc avec ce fameux clavier que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Donc déjà, le périphérique en lui-même, comme vous pouvez le voir, la première chose que vous pouvez constater ici, c'est qu'il prend énormément les traces de doigts. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo. En tout cas, sachez que vous voyez toutes les traces ici, ce sont des traces de doigts. Pourtant, je n'ai pas mangé de McDo ou de hamburger ou quoi que ce soit de gras, en tout cas avant la diffusion de cette vidéo. C'est tout simplement parce que ce périphérique prend énormément les traces de doigts. Donc ça, c'est un peu dommage. Si vous voulez quelque chose de relativement propre, il va falloir souvent passer un petit coup de chiffon. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai tout le temps à côté de moi, puisque j'ai l'impression que l'ordinateur est tout le temps sale, mais en fait c'est la matière qui veut ça sur le dessus. Donc concernant ce modèle, qui est, que je le rappelle, le modèle le plus cher, qui est à 1599€
de base, c'est-à-dire sans rajouter d'accessoires supplémentaires ou sans améliorer les performances de celui-ci. Donc vous allez avoir, comme vous le voyez ici, un coloris en noir graphite. Voilà, on a quelque chose de noir, comme le dock clavier. On est ici sur la face arrière donc de la tablette. Je vais déclipser et je vous montrerai après le clavier. Donc ici, on a évidemment la mention ThinkPad, donc c'est la mention du modèle de ce périphérique. Ensuite, on va avoir le logo ici, Intel Inside Core M. Donc c'est le processeur qu'il y a au sein de cette tablette, mais je vous présenterai les caractéristiques juste après. Ensuite, on va avoir un premier micro ici, donc sur le côté gauche en bas. On en a un deuxième ici. Donc le son, eh bien, il sort directement à l'arrière de la tablette. On a également ici la mention Lenovo. Et enfin ici, on va avoir non pas un patin comme je le pensais au début lorsque vous allez poser à plat la tablette par exemple, mais c'est tout simplement un capteur d'empreintes digitales. Donc vous allez pouvoir l'utiliser notamment eh bien, pour déverrouiller, si vous le souhaitez, votre ordinateur. Et enfin, on a une caméra ici à l'arrière du périphérique. C'est une caméra de 5 mégapixels. Alors évidemment, eh bien, vous n'allez pas... vocation à prendre énormément de photos avec un ordinateur, enfin avec une tablette et encore moins un ordinateur, mais en tout cas sachez que cette caméra existe et elle pourra vous dépanner à l'arrière si vous avez besoin de prendre rapidement une photo avec votre tablette. Sachez que vous allez pouvoir le faire. Ensuite, sur le côté droit de cette tablette, on va retrouver différents ports. Alors je vais essayer de faire le focus dessus. Alors vu qu'elle est extrêmement fine, c'est pas facile. Hop. Je vais enlever ça pour éviter qu'il prenne le focus derrière. Hop. Voilà. Donc on a ici donc un premier port. C'est un port micro USB assez standard. Vous commencez à avoir l'habitude de voir ce type de port. Ensuite, on a ici qui est caché par un capuchon. Vous allez retrouver un port USB. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous êtes en mode tablette parce que vous allez quand même avoir un port pleinement fonctionnel en USB. Vous allez également ici avoir une autre trappe qui dissimule deux autres ports. Alors, vous allez avoir un port carte SD et un port micro SIM. Pourquoi micro SIM? Eh bien, c'est tout simplement si vous souhaitez que cette tablette se connecte au réseau de données, donc fourni par une carte SIM, eh bien, il vous suffit d'avoir un forfait adéquat et vous allez pouvoir donc insérer cette carte SIM à l'intérieur de ce modèle. Donc c'est uniquement cette carte SIM est uniquement disponible sur ce modèle. Et enfin, on a deux boutons ici. Alors je ne sais pas si vous allez le voir également, mais on a quand même deux boutons ici de volume, plus et moins, donc qui vous permettent, comme son nom l'indique, de régler le volume en fonction du bruit que vous souhaitez délivrer avec cette tablette. Et enfin ici, on a la sortie jack 3.5, donc qui va vous permettre de connecter notamment des écouteurs ou une chaîne si vous le... Enfin, pas une chaîne, mais des enceintes si vous le souhaitez. Enfin, sur le dessus, on va avoir deux boutons. On va avoir le bouton Power ici qui va nous permettre eh bien, d'allumer ou d'éteindre notre tablette. Et juste à côté de celui-ci, alors là, le focus, il est parti. C'est un peu dommage. Alors, je suis désolé pour la qualité du focus. J'ai un peu de mal à faire la pointe avec cette tablette, surtout que les conditions de luminosité ne sont pas optimales aujourd'hui, malheureusement. Voilà, alors ici on a donc un autre bouton qui est tout simplement le verrouillage. Vous allez pouvoir verrouiller comme ça si vous le souhaitez votre tablette, notamment lorsque vous allez vouloir la laisser en mode portrait ou paysage, eh bien vous avez juste à appuyer sur ce bouton et automatiquement ça va se verrouiller. Ensuite on a une tranche complètement lisse. De l'autre côté de la tablette, on va retrouver également une tranche lisse. On va ici avoir un petit trou qui est tout simplement le micro. Et enfin, on a un autre port ici. Alors, port non traditionnel, puisqu'il va s'agir du port pour connecter en fait eh bien, à la prise de secteur la tablette. Donc, il suffit de brancher la fiche qui est fournie également avec la tablette. Vous le branchez automatiquement. Celle-ci va se mettre en charge. Enfin, sur le dessous, eh bien, on va retrouver ici différents ports qui vont nous permettre de connecter notre tablette au dock qui est fourni également si vous prenez ce modèle haut de gamme. En façade, eh bien, on va retrouver en bas le bouton Windows qui va vous permettre eh bien, de basculer
entre le mode là j'ai verrouillé la tablette, donc entre le mode Windows classique ou voilà, donc là en plus elle parle, c'est très bien. Donc là vous allez pouvoir verrouiller comme ceci et vous allez pouvoir retourner eh bien soit au mode bureau, soit directement à l'écran d'accueil avec toutes les tuiles. Voilà. Lancer courrier non sélectionné. Bon. Il peut être glissé, colonne une ligne. Tais-toi. Allez. Voilà, j'ai dû activer le mode aide sans faire exprès. Appuyer deux fois pour activer. Je vais taire la madame parce qu'elle va me gêner. Voilà, on va la taire. Et enfin ici, on a une caméra frontale. Donc cette caméra frontale de 2 mégapixels qui va vous permettre eh bien, de prendre quelques selfies si vous le souhaitez, mais surtout qui va vous permettre eh bien, d'utiliser cette tablette lors des conversations, notamment eh bien, si vous souhaitez l'utiliser dans ce monde professionnel. Ensuite, on a donc ce clavier. Donc c'est un clavier plein, c'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les touches que vous avez d'un clavier standard. On va également retrouver un touchpad assez complet, puisqu'en plus du touchpad ici, eh bien, vous allez retrouver deux boutons, le bouton droit d'une souris et le bouton gauche. Vous avez également un bouton ici au milieu pour l'option. Et enfin, on va retrouver ici une souris qu'on avait l'habitude d'avoir sur les anciens dispositifs, qui va vous permettre eh bien, d'être un peu plus précis si vous aimez ce genre de souris un peu bouton central. Enfin, les boutons classiques, eh bien, on va retrouver toute une série de raccourcis assez rapides. Concernant le clavier en lui-même, eh bien, on a des vraies touches, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de capacitif comme on peut avoir par exemple sur le clavier de la Surface. Ici, vous allez avoir un vrai clavier et du coup, eh bien, pour la frappe et notamment lorsque vous éditez des documents ou etc., vous allez vraiment avoir la sensation d'un vrai clavier. Néanmoins, les touches sont assez rapprochées, évidemment, puisqu'on est quand même sur un modèle assez petit. Donc, il va falloir s'habituer avant de pouvoir utiliser ce clavier pleinement et très rapidement, si vous passez notamment d'un ordinateur, eh bien, d'un clavier standard d'un ordinateur de bureau à ce clavier d'un ordinateur portable. On a également quelques logos avec le type Ultrabook et on a la mention ThinkPad à l'arrière, enfin devant. À l'arrière, eh bien, on retrouve des patins qui sont directement incrustés. Vous allez également avoir deux grilles de haut-parleurs sur le dessous. Ensuite, sur le côté ici à l'arrière, voilà, vous allez retrouver donc le connecteur pour l'alimentation secteur. Vous allez retrouver un port USB. On va retrouver un port mini DisplayPort, donc qui va vous permettre eh bien, de connecter ce dock, si je peux le nommer ainsi, directement à un téléviseur pour eh bien, profiter pleinement de votre écran, de votre téléviseur. Et enfin, on a évidemment ici le système eh bien, d'appareillage de la tablette sur ce dock. Alors, ce système est très bien fait puisqu'ici, on a un bouton poussoir qui va vous permettre eh bien, de libérer votre tablette lorsque celle-ci est incrustée. Alors, vous pouvez évidemment passer la tablette comme ceci sur le dock. Automatiquement, eh bien, vous voyez, vous bénéficiez d'un ordinateur portable que vous allez pouvoir replier sans aucun souci. Voilà. Vous allez également pouvoir, évidemment, le déclipser très simplement. J'appuie sur le bouton, je soulève ma tablette et automatiquement, celle-ci eh bien, se déclipse. Je peux également clipser ma tablette dans l'autre sens. Et là, en fait, vous allez avoir différents modes disponibles. Vous allez également avoir ce mode, justement, mode qu'on appelle un peu support ou visualisation. Si vous voulez regarder un film, par exemple, dans le train sans vous occuper du clavier, eh bien, vous retournez la tablette comme ceci. L'arc de cercle est très bien fait puisque vous avez toujours accès au bouton Windows en plein milieu. Donc, vous allez pouvoir intervertir. Vous allez également pouvoir replier cette tablette. Enfin, ce deux en un, et vous allez justement bénéficier d'une tablette évidemment un peu plus lourde, mais néanmoins vous pouvez transporter votre clavier et toujours bénéficier donc de cette tablette avec cet écran tactile. Et enfin, vous allez pouvoir vous mettre en mode tente, donc c'est-à-dire comme ceci, si vous voulez par exemple regarder des films ou un PowerPoint, assez simplement, vous allez pouvoir très facilement. Modifier la structure de cet ordinateur pour que celui-ci corresponde à vos besoins et à vos envies.
Voilà un peu pour la découverte de ce ThinkPad Helix 2. Maintenant, je vais vous parler un peu plus chiffres et un peu plus concret sur ce qu'il regorge. Donc, vous allez retrouver, comme vous pouvez le voir un peu sur la capture ici, sur les informations système. Oups. Voilà, vous allez retrouver donc un processeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Intel Core M. Donc, c'est un processeur ici cadencé à 1,2 GHz. Il peut aller jusqu'à 2,9 GHz celui-ci est en pleine puissance. Consigne relative à la batterie ou l'adaptateur C à astuce. Alors là, la petite dame va se taire parce que ça ne va pas le faire. Voilà. Vous allez également retrouver 8 Go de mémoire vive au sein de celui-ci. Vous allez retrouver un écran ici donc de 11,6 pouces. Donc, il offre une résolution de 1920 par 1080 pixels. Donc, c'est un écran Full HD. Il est tactile, évidemment, puisqu'on est ici sur un mode tablette. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser également en mode tactile. Vous allez également pouvoir l'utiliser avec votre stylet si vous le souhaitez. Comme ça, vous allez pouvoir contrôler en fait votre tablette si vous le souhaitez pour plus de précision donc avec ce stylet. On va également retrouver un SSD de 256 Go, donc qui va vous permettre eh bien, de stocker tout plein de petites choses. Concernant la batterie, on est sur une batterie de cellules de 35 watts. Donc ça va vous permettre eh bien, d'avoir, selon mes tests en tout cas, d'avoir une autonomie d'environ 8 heures. Et il faut savoir ensuite que le clavier en lui-même embarque une batterie interne. D'où d'ailleurs la prise ici qui va vous permettre de le recharger. Et en fait, une fois que vous branchez donc, ce clavier externe, vous allez avoir une autonomie de 12 heures. Donc vous allez pouvoir nettement améliorer l'autonomie de votre périphérique, tout simplement en branchant l'écran, en fait, enfin la tablette sur son dock clavier. Ensuite, vous allez avoir toute la panoplie de connectivité traditionnelle qu'on attend d'un ordinateur et d'une tablette plus précisément. Vous allez avoir évidemment du Wi-Fi, du Bluetooth. Je l'ai dit, on a également une carte micro SIM qui va vous permettre eh bien, de recharger, d'avoir une connectivité de données. Vous allez également avoir un port micro SIM. Vous allez également retrouver donc Windows 8.1 Pro 64 bits d'installé. Donc vous êtes sur la version professionnelle. Évidemment, vous pourrez passer à Windows 10 une fois que celui-ci sera disponible. Voilà, j'ai un peu fait le tour de cette tablette. Ensuite, je vais juste vous dire les dimensions de celle-ci. Sur la tablette en elle-même, on est sur une largeur de 301,1 mm. On est sur une hauteur de 192,5 mm. Et enfin, l'épaisseur de la tablette en elle-même mesure 9,6 mm. Si vous ajoutez le clavier, donc on est sur une même largeur, comme vous pouvez le voir, puisque quand on replie, eh bien, on a exactement la même largeur que la tablette. En revanche, l'épaisseur, eh bien, évidemment, augmente nettement, puisqu'on va passer sur du 20,2 mm. On était sur du 9,6. Donc là, le clavier augmente très nettement l'épaisseur. Il augmente également la longueur du périphérique puisqu'on va passer sur du 213,3 mm au lieu de 192. Vous voyez ici, on a quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus large que la tablette. Et enfin, le poids de du modèle du ThinkPad Helix 2 sans le clavier, on est sur un poids de 790 grammes. Donc c'est relativement correct pour une tablette. Néanmoins, lorsque vous allez passer avec le dock, donc qui va faire office d'ordinateur portable, eh bien là vous allez passer sur un poids de 1,7 kg, donc on est quand même sur quelque chose de plus lourd, mais néanmoins eh bien, vous avez quand même un ordinateur de bureau de disponible directement donc avec ce périphérique. Concernant l'utilisation, eh bien, c'est très réactif. Les performances sont plutôt bonnes, malgré que j'avais un peu peur avec le processeur Intel Core M. Il faut savoir que celui-ci n'est pas un monstre de puissance, mais néanmoins, il va vous permettre bénéficier de toute la partie bureautique très simplement, très nativement. Vous allez pouvoir rédiger des comptes rendus sans souci. Vous allez également pouvoir aller naviguer sur le web également très simplement. Sans aucun souci, sans que la page rame. Vous allez pouvoir évidemment zoomer
si nécessaire sur votre page. Donc là, je suis, j'ai désactivé le mode tactile en rentrant dans le mode tout à l'heure. Donc du coup, je suis un peu bloqué. Mais néanmoins, sachez que vous allez pouvoir zoomer comme bon vous semble. Vous allez également bénéficier de certains jeux qui sont disponibles sur le Windows Store. Vous allez pouvoir y jouer assez simplement et assez naturellement. Vous allez avoir un clavier purement fonctionnel. Vous allez pouvoir rédiger des comptes rendus sans aucun problème. Et surtout, également très facilement. Vous voyez, je tape très naturellement sur le clavier et automatiquement, eh bien, le texte s'affiche, encore heureux. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce ThinkPad LX2 de deuxième génération. Voilà, après, je ne vais pas vous faire un retour complet de Windows. C'est pas le but de ce test, c'était vraiment de vous montrer le matériel. Comment celui-ci se déclipse, vous voyez, très simplement, il suffit que je le pose. Donc si vous avez besoin d'un ordinateur portable, eh bien, vous emmenez le dock. Si vous avez juste besoin d'une tablette, eh bien, vous transportez la tablette et vous aurez celle-ci pendant au moins 8 heures d'autonomie si vous l'utilisez abondamment. Voilà, j'ai un peu fini. Si vous avez encore des questions ou des choses que vous souhaitez que j'approfondisse, eh bien, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça, que ce soit sur l'article qui accompagnera cette vidéo ou directement sur YouTube dans la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était donc la découverte de ce ThinkPad LX2. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos puisque j'ai plein de nouvelles choses à vous présenter. Allez, au revoir.